Voilà, donc bonjour Pierre et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de cette session. Ok. Voilà, donc eh bien, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Okay, donc, après avoir fait plusieurs fois la liste, donc j'essaie d'être bref, lors de la naissance, oui, parce que à force de voir les vidéos passer, il y en a qui ont des sacrées 10 ans. J'ai réduit au Voilà, mais maximum. c'est affreux, oui, des fois. Oui. Bon, quand on a 20 ans, c'est plus court, mais bon, à un certain âge, c'est plus long. Alors, lors de ma naissance, déjà, je suis né à plus de 9 mois, à peu près D'accord. 2-3 semaines de plus. Et à ma naissance, j'ai eu une mauvaise ligature, du moins du cordon ombilical, et j'ai fait une hémorragie externe. Donc, je ne sais pas pourquoi. Après, dans mon enfance, lors de l'endormissement, j'avais des sensations d'enfoncement ou d'élévation, ce qui me faisait très peur d'ailleurs. Et donc j'essayais de combattre ça pour pas m'enfoncer ou m'élever, je ne sais pas, mais c'était bizarre. Ensuite, oui. Ah, je vais trop vite, pardon. C'est Non, vrai, non, j'ai c'est pas. bon. Donc, mauvaise ligature du cordon, et ça a fait quoi? J'ai pas compris, parce que j'en étais encore. Et donc je faisais une hémorragie externe. Hémorragie externe, ah oui. Oui, donc je me vidais de mon sang. Et c'est une jeune sage-femme qui a vu qu'il y avait quelque chose, une stagiaire en plus, qui a vu que quelque chose n'était D'accord. pas normal, et elle s'est rendue compte de ça. Mais a priori, si elle n'avait pas vu, je ne serais pas là pour vous poser toutes mes questions. Donc, durant mon enfance aussi, j'ai eu de nombreux accidents, de maladies, de séjours à l'hôpital. Bon, j'ai pas assez de doigts pour compter, mais les hôpitaux, je connais. Ça, c'est pour l'enfance. Maintenant, j'arrive sur des rêves qui sont assez récurrents. Je rêve souvent que je vole parce que je suis poursuivi. Je n'arrive pas à les fuir. Et quand j'essaye de m'élever, je tombe sur un orage de grêle ou une tempête et je ne peux pas monter plus haut. Ça revient souvent. Ok. Ok, d'autres rêves où je suis en milieu aquatique et j'arrive à respirer sous l'eau. Je ne sais pas. Un autre Oui. rêve où je me réveille en sueur avec une grosse peur, je rêve que je vais être exécuté. On va même me couper la tête, c'est pour être plus précis. D'accord. Oh. Ok. Il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller parce que je sentais une présence, mais impossible dans le lit de bouger quoi que ce soit. Je restais immobile, paralysé pendant 2, 3, 4, je ne sais pas, je n'ai pas la notion du temps. Je réussissais après à me déplacer, bon, il n'y avait rien bien sûr, mais plusieurs fois. Ce rêve, mais j'ai eu ce rêve et c'est troublant aussi. Pour terminer dans les rêves, je rêve souvent que je retrouve jamais mon véhicule. Ma voiture que j'ai parquée quelque part, je ne la retrouve plus. Et quand je dois me déplacer, j'ai énormément de peine et de mal à avancer. Il faut que je me tire avec les bras ou les jambes. Si je ne fais pas ça, j'aurais tendance à reculer. Ça, c'est fini pour les rêves. D'accord. Pour ce qui est de la santé en général, j'ai de très fortes céphalées. Mais je peux même pas. Il faut que je sorte dehors, j'aille faire en pleine nuit. Hein, il faut que j'aille faire un tour. Je ne peux pas rester à la maison m'enfermer. Je n'arrive même plus à dormir. En ce moment, ça va un peu mieux, mais c'est terrible. Depuis longtemps? Oui, souvent, oui. Depuis longtemps, depuis des années. Voilà, c'est bon. Impossible. Ensuite, j'ai été opéré d'un polype du tiers inférieur du rectum, bon, pour être clair, des hémorroïdes. J'ai des acouphènes, mais alors c'est affolant, avec des variations de fréquence et de volume. Il y a longtemps aussi, acouphènes. J'ai été donneur de sang pendant de longues années. Et c'est avéré que j'ai développé les anticorps d'une hépatite, je ne sais plus si c'est la B ou la C. Et donc, j'ai donné mon sang à des personnes qui physiquement étaient faibles et qui ont reçu un sang avec des anticorps qui avaient de fortes chances de leur être fatales. Mais ça, les anticorps, je ne les ai su que bien plus tard. D'accord. Donc tu as eu une hépatite, c'est ça alors? J'ai développé les anticorps, c'est-à-dire que j'ai contracté la maladie, mais je n'ai pas développé la maladie. Mon organisme a fait les anticorps et c'est passé comme une lettre à la poche. Moi, j'ai rien eu.
Mais je donnais mon sang régulièrement et une fois, il a fallu que je fasse une cytaphérèse et c'est là qu'ils m'ont détecté les anticorps d'une hépatite. Donc, interdiction de donner mon sang, bien sûr, mais en attendant, j'avais Et donné de l'air. il y a des gens qui l'ont reçu. Et il y a de fortes chances. D'autant plus que je suis du groupe B négatif, qui n'est pas des plus fréquents. Ah oui. Au niveau de la pression artérielle, je suis en moyenne 20-10 de tension. Malgré tous les traitements, différentes molécules et tout, rien n'y change. 20-10, n'importe quel jour, au moment de la journée, le matin, midi, soir, 20-10. Et c'est combien la tension normale? Bon, ça va être 13, 13-6, Ah je ne sais oui. pas. Mais j'ai jamais réussi. Je suis même monté à 22-12. Et D'accord. j'ai aucun. Oui, mais j'ai aucun symptôme, aucun trouble. J'ai rien. Voilà. J'ai 22-12. Pourquoi? On ne sait pas. Inquiétant. Sur le cuir chevelu, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai des éruptions cutanées. Donc j'ai beau prendre plusieurs sortes de shampoings, de traitements et tout, ça ne passe pas. J'arrive à atténuer un peu, mais c'est toujours là et ça revient. D'accord. Au niveau des pieds, j'ai le cinquième métatarse, droit et gauche, qui sortent, voilà, qui partent sur l'extérieur. Ça me gêne un peu pour marcher. Au niveau des dents, j'ai des agénésies, c'est-à-dire que je n'ai pas de prémolaire. Je n'ai jamais eu de prémolaire. Il me manque ça depuis ma naissance. Et alors, c'est gênant pour toi? Non, mais c'est comme je sais que en regardant les vidéos, je sais que les dents sont des fusibles, donc il me manque des fusibles. D'accord, on verra ça. Ensuite, j'ai des becs de perroquet, c'est-à-dire que les vertèbres qui se soudent. Donc je perds en souplesse, bien sûr, mais voilà, bec de perroquet. D'accord. J'ai été opéré 3 fois des ménisques, c'est-à-dire qu'il ne m'en reste plus qu'un. Mais ça ne m'empêche pas de courir. Tous les matins, je fais mes 10 km. Il n'y a pas de souci, mais bon, il me manque 3 ménisques. D'accord. Et j'ai un gros problème de météorisme. Alors, je me suis renseigné. La moyenne, c'est 14 fois par jour. Moi, je suis plutôt à 14 fois par heure. Météorisme, c'est Des gaz. des gaz. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est un bon. D'accord. Ok, je vois. Bon, ça va, là, je suis seul, il n'y a pas de Tu souci, mais. fais des concerts toute la journée, alors? Il faut laisser les fenêtres ouvertes. Enfin, c'est pour moi. Bon. Ensuite, L'hiver? j'ai. En plus, il y a plein de vent, il y a le vent qui se lève, là, bonjour. Il y a un mois, j'ai eu un problème de vue. J'avais sur l'œil droit plus fort que sur le gauche. Comme si, tu sais, quand on fait de la soudure, qu'on prend un coup d'arc, ou alors on regarde le soleil comme ça, après on a la tache lumineuse dans l'œil qui ne veut pas partir. C'est pour ça, les lunettes que j'ai, c'est pour casser un peu la lumière d'ordinateur. Donc ça fait un mois, ça a duré 15 jours où j'avais des problèmes de vue, je ne voyais pas, j'avais cette tache comme un coup d'arc dans les yeux. D'accord. Et au niveau santé, dernier point, sur le côté gauche, j'ai comme un amas graisseux. J'ai rien à droite, j'ai à gauche. Je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas joli. Je voudrais savoir d'où ça vient. C'est fini pour la santé. Maintenant, sur le général, donc au niveau ma vie sentimentale et familiale, par 2 fois, que des échecs. Là-dessus, j'ai pas de. Ça ne marche pas, barre 2 fois. Ensuite, D'accord. j'aime aider mon prochain, rendre service, le dépanner, faire du bricolage ou de la peinture. Et chaque fois que j'ai eu à rendre ce service à des gens de mon environnement ou les voisins, ça m'est revenu mais négatif, avec de la médisance, de la méchanceté. Et on me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Donc, le retour de ce que je fais en bien pour moi, je le prends en plein dans les dents en mal. Ce qui fait que je pense que j'ai beaucoup de colère, de haine et de rage en moi. Un peu moins parce que, au vu des vidéos, je travaille un peu sur moi, mais je sens quand même que j'ai dès que quelque chose me contrarie et tout, j'ai de la colère, un peu de rage et ça me plaît pas. D'accord.
J'ai énormément de mal de me concentrer, de méditer. Quand je lis un livre, je vais lire la page complète, j'arrive en bas de la page, je ne sais même pas ce que j'ai lu, parce que je suis parti dans des pensées, je pars, je ne sais pas où. Et donc, j'arrive pas, je peux pas. J'ai essayé de faire des vidéos pour essayer de me concentrer, de méditer, de me calmer, mais je ne peux pas, j'arrive pas. Je pars tout de suite dans des pensées. Ensuite, D'accord. pour terminer, si possible, mon grand-père paternel, s'il pouvait participer ou voir, je l'ai très très peu connu, non pas qu'il était décédé, mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans la famille qui fait que mon grand-père paternel, c'est presque un étranger pour moi. Donc, j'aimerais savoir les tenants, ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu. Et c'est présent dans ma tête, mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu. Pourquoi il y a eu ce problème et pourquoi je ne l'ai pas connu, comme j'ai connu mon grand-père maternel. D'accord. Voilà. J'en arrête là, Ok. c'est déjà pas mal. Bon, très bien. Eh bien, écoute, donc je vais t'inviter, Pierre, à couper ton Oui. micro. Ça marche. Voilà, normalement c'est coupé. Non, je t'entends. Ah bon? C'est la pastille, t'as trois pastilles, t'as la rouge et deux blanches. Nickel. T'es prête? Oui. À présent que tes protections et connexions sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 90. Oui, tu l'augmentes. Quatre mille, 5 000, 6, 7 500. 7 500. D'accord. Connecte-toi à moi. Dis-moi combien tu me vois. Quatre-vingt-dix-neuf. Donc je m'aligne sur toi. C'est bon. Très bien. Alors à présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi sur Pierre. Et dis-moi comment tu le vois. C'est bizarre, c'est comme s'il n'était pas adapté au plan de la troisième dimension. Oui. Il flotte. D'accord. Alors il est là, mais il se raccroche à ce plan-là, en fait. Sinon, s'il lâchait, il partirait tout de suite. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état? C'est sa nature. Oui, c'est la nature de son essence, en fait, qu'il est dans cet état et qui... C'est comme s'il y avait... C'est comme si le corps physique n'avait pas été... n'avait pas réussi à être ajusté correctement pour faire le lien entre ce plan terrestre et la nature de son essence. Donc c'est un problème de réajustement alors. Oui. Voilà. Très bien. D'ailleurs, il est tout le temps... Bah, il sort et il rentre de son corps. Il y fait un peu le touriste. Oui, c'est ça. Alors, il est bien obligé d'y rester, mais en même temps, ça lui convient pas vraiment. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce corps-là. Et Oui. Surtout il a pas trop envie d'y rester. s'il ne l'habite pas complètement. En fait,
Il y a plein de tentatives pour en partir, mais comme il n'a pas trouvé mieux, il y est toujours. Parce que en partir, ça signifie, ça implique plein d'autres choses. Oui, En quoi, par exemple? partir, ben, en partir, ça implique la mort de ce corps physique-là. Et ça, c'est pas ce qui est prévu non plus. Donc, pour l'instant, il reste là. Ok. Alors, que vois-tu d'autre à part ça? Ça m'emmène à un laboratoire. Voilà. On va comprendre pourquoi. Ça m'emmène dans un laboratoire où il y a plein d'éprouvettes, différents essais qui sont faits. Et lui est issu d'un de ces essais. D'accord, mais quel a été l'essai qui a été fait alors? Et bien de ce corps terrestre. Qui est à l'origine de ces éprouvettes? Alors en fait, là, ce que je perçois, c'est cette salle de laboratoire avec toutes ces éprouvettes et lui qui flotte en fait dans cette salle de laboratoire en se demandant à quel résultat d'expérience il va être affecté. Qu'est-ce qu'il va récupérer en quelque sorte comme combinaison de fabrication d'un corps physique. D'accord, mais qui est à l'origine de ce laboratoire? Qui est-ce qui fait toutes ces manipulations, ces essais? Alors, en fait, il faut que je prenne de la perspective parce que Oui. là, c'est comme si j'étais vraiment tout à côté de lui, de son regard, et lui, il est vraiment très très proche de ses éprouvettes. Donc, l'arrière-plan, il est flou. Voilà. Donc tu prends les fréquences nécessaires et tu vois tout ce qu'il y a à voir. Il n'y a rien qui t'échappe, tu peux tout voir. C'est vert, des êtres verts. Des êtres verts qui ressemblent à quoi? Alors, ils sont verts, la peau légèrement écailleuse, mais quand même lisse. C'est bizarre parce que le cou est fin, mais c'est en proportion. La tête, elle est comme si la tête était trop lourde posée sur ce cou fin. Avec le crâne étiré vers l'arrière. Donc les yeux, ils ont des pupilles verticales, mais ils sont étirés quand même vers l'arrière. Les présences qui sont dans ce laboratoire sont féminines. D'accord. Presque maternelles. Elles sont habillées de sortes de tuniques amples, souples, blanches ou de couleur pastel, simplement retenues par la taille, et des sortes de sandales. Leurs corps sont de type humanoïde, mais quand même avec des différences. C'est fin, fin et musclé. D'accord. Et d'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Alors, la réponse qui vient, c'est Orion. Orion. D'accord. Très bien. Et quel genre d'expérience ils font avec Pierre et les autres, mais là en particulier Pierre? Quelle est la nature de l'expérience? C'est pas que de l'envoyer en incarnation. Ils ont dû faire des choses sur la génétique, non? C'est ensemencement. Le mot qui vient, c'est ensemencement. Ensemencement de quoi? Ensemencement de la vie sur différents plans.
en descendant de plus en plus bas en fréquence, avec des tests de plusieurs combinaisons sur des fréquences de plus en plus basses, enfin des densités de plus en plus lourdes. D'accord. Quel genre de combinaison ils ont fait avec lui? Il y a quatre combinaisons. Oui, lesquelles? Enfin, il y a quatre éléments recombinés, je veux dire. Oui, d'accord. Il y a de l'humain. De cette race que je viens de décrire. Alors, quand je dis de l'humain, il y a deux types d'humains différents. Il y a des humains de deux souches différentes. Une qui est beaucoup plus primaire que l'autre. Pour la première, et la deuxième, elle est proche de nous, beaucoup plus proche de nous. D'accord. Et donc, le troisième, c'est quoi alors? Non, là, ça fait trois, le quatrième. Donc, il y a l'humain, il y a cette race. Donc, tu me dis que cet humain est issu de deux, mais c'est un humain. Il y a deux souches humaines différentes. Oui, mais dans le même humain. Ah, d'accord, ok. Donc ça fait trois. Ok, d'accord. Et le quatrième? Le quatrième, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est cette partie-là qui a du mal à s'adapter, en fait, dans la densité. Oui. Le quatrième, c'est un corps éthérique semi-transparent qui possède dans un corps physique, il y a le corps physique et puis il y a les corps subtils. Oui. Cette quatrième souche, elle est de nature éthérique. Je veux dire, le physique est de nature éthérique. Et les corps subtils, c'est pas fait de la même façon. Donc, c'est bien de quelle race finalement? C'est bien d'autres races. Il y en a que quatre, oui. C'est bien de quelle race alors? Eh ben, j'ai pas de nom qui vient, je vois juste l'image. Bon, d'accord, ok. Très bien. Bon, ça c'est pour l'information. C'est humanoïde aussi, mais c'est éthérique. Quel pourcentage tu vois dans son ADN qui n'est pas humain? Qui n'est pas de son propre ADN. Alors, sur les quatre cités, il y en a deux qui sont humains. Donc, d'accord. Si ces deux souches humaines comptent pour ce que tu appelles humain... Ça dépend si les deux souches humaines sont issues de la même essence. Moi, je parle de son essence, issue de sa propre essence. Quarante pour cent qui n'est pas humain, qui n'est pas issu de son essence. Oui. Oh, c'est énorme. D'accord. Ok. Et ces humanoïdes de type reptilien, est-ce que ils sont bienveillants? C'est quoi leurs objectifs en fait? C'est des scientifiques, en fait. Il n'y a pas de malveillance. Il y a plutôt... Elles sont très méticuleuses, attentionnées, et même maternelles. D'accord. Est-ce qu'ils ont posé des implants dans ces corps? Ça tient pas. Il y a eu des essais de pose d'implant, mais ça ne tient pas. D'accord. Donc, si tu scannes tous ces corps, tu vois aucun implant?
Il y a des traces d'essais, d'implants qui ont essayé d'être posés, mais à chaque fois, ça n'a pas tenu, il a tout fait sauter. D'accord. Ok. Et c'est la seule espèce qui est en contact avec lui ou il a d'autres types d'espèces en tant qu'interférent? Là, il est en quelque sorte comme abandonné à lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que leur créature, en quelque sorte, ont pris, se développent, ont pris vie dans un espace donné, elle passe à autre chose. Et personne d'autre n'en a profité. Ça tourne autour de lui, Oui. mais il est assez déconcertant en fait. Qu'est-ce qui est fait qu'il est déconcertant? Il reste pas stable d'un point de vue subtil par rapport à ses corps subtils. C'est pas stable, ça bouge sans arrêt, donc il est en quelque sorte insaisissable. Donc D'accord. il est beaucoup observé à distance. Il y a des tentatives de le capter, il y en a eu plusieurs, et à chaque fois il glisse. File entre les doigts. Oui. Très bien. Alors, est-ce que tout cet essai d'incarnation avec tout ce qui a été fait, est-ce qu'il y a des... Il y a des qualités qu'il a que n'ont pas d'autres humains normaux, enfin des humains habituels. Il est sur plusieurs. Il a la faculté de se déplacer d'un plan à l'autre sans s'en rendre compte. D'accord. Ça, c'est même plutôt handicapant d'ailleurs, parce que il n'en a pas conscience. Donc, lui, il a l'impression d'être là, présent à un endroit donné. Et pendant ce temps, il se déplace. C'est ça, cette difficulté de lecture quand il dit quelque chose qu'il ne retient rien. Pendant ce temps, il est ailleurs. Oui. Il D'accord. est mais il se déplace sans arrêt. Ok. Il rentre et il sort. Quels sont les autres inconvénients alors de toutes ces greffes? Je ne sais pas si ça peut être considéré comme des inconvénients. Tout dépend de la perspective, ou en tout cas des différences. Alors, peut-être ce qui serait ressenti comme un inconvénient, c'est le fait que les humains ressentent sa nature, cette différence. Et Pas alors? pas au niveau conscient, mais Et c'est pour ça que les choses ne vont pas bien au niveau relationnel, familial. Est-ce que c'est ce ressenti qui donne ce résultat? il y a un ajustement qui se fait au niveau relationnel humain pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, l'ajustement ne peut plus se faire. D'accord. Parce que c'est comme si les autres humains étaient. Ils n'étaient pas aussi rapides que lui, en quelque sorte. Ils n'ont pas les mêmes perceptions, ils restent stables, immobiles. Et lui, il bouge sans arrêt. Donc, à un moment donné, le contact se perd. Il est difficile à suivre, c'est ça, Oui. sur certains plans. Oui. Sur le plan subtil, oui. D'accord. Et donc, du coup, ça fatigue ou ça fait peur?
Sur le plan conscient, il n'y a pas forcément quelque chose qui transparaît. Mais sur les plans plus subtils, ça casse. Et forcément, ça se retranscrit sur le plan physique. Très bien. Bon, eh bien écoute, on va identifier le. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux voir ou est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a fait un petit peu l'inventaire de la situation? Oui, pour l'instant, oui. Très bien. Alors, identifie-le. Regarde son ADN. Il se demande Oui. toujours ce qu'il fait dans ce corps. Regarde son ADN éthérique et identifie-le. Ah oui, c'est lui. Très bien, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Parfait. Alors, déjà, on va appeler son soi supérieur. Appeler son soi supérieur. Oui. Très bien, donc on va le saluer. Il est où là? Il est dans quel espace? Est-ce qu'il est dans l'espace moronciel ou ailleurs? Il est dans l'espace moronciel. D'accord. Donc demande-lui qu'est-ce qu'il sait de la situation, donc de Pierre, et surtout qu'est-ce qu'il pense de ces différentes greffes dans son corps physique. Il sourit. Il sourit parce que en fait, il me montre le soi supérieur, les autres parties de Pierre, et il me les montre comme sous forme d'un jeune homme curieux et impétueux qui a donné son accord. Pour vivre ce type d'expérience, il me montre ce jeune homme impétueux, intrépide, curieux, avide d'expérience, et toujours de plus en plus loin, de plus en plus vite. D'accord. Et que cette expérience-là, ce que je suis en train de lui montrer, ça correspond à ce qu'il a souhaité. D'accord. Pas le soi supérieur, Oui, précisément, mais les jeunes. oui. Et quand on parle de cette partie jeune et impétueuse, c'est dans cette vie d'aujourd'hui ou dans une autre vie? Ou une autre forme d'existence. C'est une autre forme d'existence. D'accord. Et où est-ce que ça se situe, ça? Elle est où cette forme d'existence? Elle n'est pas dans notre univers. Alors c'est bizarre parce que cette forme d'existence, elle est extrêmement mobile. Elle se déplace dans tous les sens, dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'eau, mais sans la pesanteur. Donc, j'ai jamais vu ça encore. C'est sur une planète ou sur un plan. Je sais pas. Je le vois se déplacer dans toutes les directions de façon extrêmement rapide, Comme de l'eau. comme de l'eau. Mais c'est pas de l'eau. Je veux dire par là que quand tu es sous l'eau, il y a une forme de pesanteur, De c'est-à-dire que résistance, de de pesanteur. résistance, voilà, Ouais, pression, etc. de pression, voilà. Il faut fendre l'eau, il faut faire un effort pour traverser les molécules d'eau, et puis plus tu descends, plus la pression est forte. Or là, c'est pas du tout ça. C'est pas de l'air. C'est une sorte de plasma. C'est de l'eau primordiale. C'est de l'eau sous forme de plasma. C'est pas de l'eau primordiale.
Non, elle a déjà été transformée. D'accord. L'eau primordiale, elle est encore sur un autre plan. C'est de l'eau sous forme de plasma. Ok, et quel est le type d'existence qu'il a alors? À quoi il s'occupe là? C'est quoi sa fonction, son occupation, ses centres d'attention? Il est juste dans l'état d'expérience, comme une étape. C'est D'accord. simplement une étape. Ok. Donc c'est cette partie-là que tu dis qu'elle est jeune et impétueuse et intrépide. Oui. Et c'est elle qui a choisi cette incarnation avec tous ces croisements? Oui, parce que là, dans ce plan-là, il n'y a aucune limite. Et tout est possible, tout lui paraît possible en tout cas. Et il est temps de passer à l'étape suivante. Ok. Et Et là, on est sur le plan. Oui. l'étape suivante implique des renoncements et des acceptations par rapport au fait de pénétrer la matière, puisque là, dans cet espace-là, il n'y a pas d'effort de pénétration de la matière à faire. On est sur le plan Morancel ou sur un autre plan là? C'est toujours sur le plan Morentiel, mais c'est comme s'il y avait plusieurs étages sur ce plan-là. Et là, on est dans les plans qu'on pourrait appeler inférieurs. D'accord, ils sont plus dans la manifestation, quoi. Oui, c'est ça. Alors C'est que les pas. plans morancels supérieurs, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de C'est ça. C'est manifestation. ça. C'est Inférieur, que de l'état d'être. c'est pas le D'accord. mot inférieur. Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Dans des fréquences plus basses, quoi, par rapport au plan morancel. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'étape de la manifestation. C'est ça. Ok. Alors, demande au soi supérieur. C'est pour lui cette expérience donc de Pierre dans cette incarnation avec tous ces croisements. Est-ce que pour lui c'est quelque chose de souhaitable ou quelque chose qui devrait être remédié? C'est un énorme défi qui aurait pu être plus simple s'il avait été scindé en plusieurs parties. Mais là, tout est fait en une seule fois. Alors ça, c'est son point de vue avec les différents types d'informations qu'il a et d'expériences qu'il a, Oui. qui n'est pas forcément juste. Sachant que toute expérience, c'est que le soi est dans l'apprentissage de la manifestation sur les autres plans. On est Oui, d'accord. oui. Alors moi, je lui proposais quelque chose. Ce serait de faire en sorte que, dans les conditions dans lesquelles il est, faire en sorte que son corps soit mieux adapté à cette condition. C'est possible, c'est un autre chemin d'expérience, hein, qui est possible. Très bien. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je veux que nous partions du plan Morentiel. Alors, je ne sais pas si tu vas partir sur le plan au moment où il est dans cette forme d'espèce d'eau plasmatique ou à un autre stade de présence sur le plan Morentiel. Lequel est le meilleur pour toi? Dans cet état d'eau plasmatique, tout est possible. Très bien. Alors on va s'approcher de lui dans cet état. Ah oui. Voilà. Donc tu lui expliques que nous venons d'un espace-temps terrestre où cette partie de lui est incarnée et qu'il a quelques soucis d'adaptation et que si cette expérience est intéressante pour lui,
elle serait encore peut-être plus intéressante s'il y avait une meilleure adaptation. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui, ça pourrait être plus enrichissant que ça ne l'est. Voilà. Donc nous allons lui proposer de recréer une nouvelle ligne de création et par conséquent une nouvelle ligne de temps au sein de la matrice. Donc pour procéder à des ajustements, ce qui lui manque pour vivre une incarnation pleine et complète et efficace. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui. Très bien. Alors c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc recréer cette nouvelle ligne de création. Pour cela, il va regarder cette première membrane, donc du plan archiavélique, et sachant que elle comporte bien sûr des pièges, elle comporte des marquages, etc., des détections, et puis au sein de cet espace archiavélique, tous les pièges subtils qui sont présents, et ensuite, bien sûr, l'espace matriciel qui comporte la première grille à franchir. Où là, il y a aussi un défi de franchissement pour ne pas être ni détecté, ni marqué, et ni même, bien sûr, suivi ou capturé. Donc, il faut qu'il trouve pour ça des adaptations à chaque situation. Il peut prendre pour ça de l'information parmi tous les antécédents de ceux qui ont réussi à franchir toutes ces étapes avec succès pour les modéliser, peut-être adapter à sa propre énergie et à sa propre conscience. Le but étant d'arriver, bien sûr, avant cette incarnation directement, donc dans l'incarnation de Pierre, donc complètement libre, entier, adapté, souverain, et en pleine possession de tous ses moyens, et dans l'expression de son plein potentiel. Oui, c'est possible. Tout est possible, il suffit de faire voilà. un choix précis. Alors qu'il fasse tous les choix nécessaires, pour arriver complètement libre, souverain, entier, complet et parfaitement adapté dans cette vie de Pierre, avec tous les ajustements nécessaires. Ah oui, c'est bon. Très bien. Il est arrivé ? Oui. Complètement libre et entier ? Oui. Eh bien, c'est bien. Alors, demande-lui maintenant, juste avant cette incarnation, quel est son projet dans cette incarnation ? Il y a des réglages à faire. Oui. Et le choix est d'explorer une possibilité de façon plus complète, alors que le choix précédent était d'explorer plusieurs possibilités en même temps, mais les expériences regroupées en une seule s'avéraient être incomplètes. Donc là, le choix est différent. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on va garder tous ces quatre ADN différents ou on va devoir éliminer et ne garder que l'ADN issu de son essence ? Il y a des choix à faire. Et quel choix va-t-il faire ? Il ne peut pas tout garder. D'accord, alors nous verrons ça en temps voulu. Alors c'est le moment où il descend dans l'incarnation. Dis-moi, à quel âge il choisit d'être à 100% dans ce corps ? Au moment de la conception. Ok, très bien. Mais moi, ça ne me convient pas pour travailler, donc on va aller au moment juste avant la naissance. Oui. À quel pourcentage est-il connecté à son essence à ce moment-là? Soixante-cinq. Très bien. Alors, il va se connecter à 100%. Oui, ça y est. Maintenant, il se fait des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Programmé uniquement pour cette existence. Oui. Très bien. Maintenant, il va regarder son arbre généalogique. Il va faire ce qu'il faut
pour être complètement libre, avoir accès à son plein potentiel d'expression, à toutes ses belles capacités souveraines et en pleine santé. Oui. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe partiellement, entièrement? Il est obligé de couper. Tout? Non, il y a nécessité de garder un pourcentage qu'il estime à 25%. D'accord. Et pour le reste, il peut envoyer de la lumière, de l'amour? Oui. Très bien. Tu me dis quand il a terminé? Là, c'est fait. Qu'est-ce que vont lui conférer comme qualité ces 25% qu'il a choisi de conserver? De se maintenir stable dans le corps humain. D'accord. Il n'y a pas de qualité spécifique de la lignée qu'il a voulu recueillir. Parce que même là, quand il fait ce qu'il est en train de faire, il m'entraîne en fait avec lui dans des allers-retours. Entre l'état plasmatique et là maintenant où il est en train de travailler sur l'arbre. Pourquoi est-ce qu'il fait ces allers-retours? C'est quoi son objectif? C'est comme s'il soupesait ses choix, qu'il en vérifiait le bien fondé. D'accord, très bien. Ok. Il a terminé avec l'arbre? Mais il m'entraîne avec lui, donc ça me fait faire des allers-retours. T'es obligé de le suivre? Il faut que je prenne un peu plus de distance pour ne pas le suivre. Tu n'es pas obligé. Non. Si c'est fatigant ou éprouvant pour toi, tu n'es pas obligé de le suivre. Tu peux rester là. Ok. Très bien. Maintenant, donc il a fini avec son arbre? Oui, il a fini. Par rapport à ta question. Cet arbre généalogique-là a des spécificités de facilité de greffe d'un D'accord. point de vue génétique. D'accord. C'est comme Ok. un terreau facile à cultiver. Et c'est ce qu'il a voulu conserver? Oui, parce que l'adaptation est toujours plus facile sur ce type de lignée-là. Ok. Très bien. Alors maintenant, il va regarder son ADN. Il va faire ce qu'il faut sur son ADN également pour créer toutes les adaptations, faire le ménage de ce qui doit l'être. Et peut-être installer de nouveaux programmes, faire en sorte d'avoir un mental clair, limpide, stable, connecté au mental supérieur et à toutes les parties supérieures de lui. Et un émotionnel stable également, épuré. Donc tout ça se met en place très rapidement parce qu'une fois le choix vérifié et confirmé et la base installée, la base sur laquelle il arrive, le reste suit très rapidement. Très bien. Et donc, il regarde aussi sur le plan physique hein, qu'il y ait un équilibre parfait, des parfaits fonctionnements optimum de tous ces systèmes, fonctions, organes, etc. Il regarde sur son ADN, il peut prendre le gabarit donc de l'arbre séphirotique pour tout faire ça dans la perfection initiale. Oui, c'est ce qu'il fait. Il prend modèle sur ce qu'on peut appeler l'humain de base. Très bien. De base, il n'y a pas de l'humain amélioré. L'humain évolué. Quand je dis de base, c'est avant. Avant le Qui ait trafic. eu, c'est ça oui, avant qu'il y ait D'accord. eu des modifications. Maintenant, il se peut qu'il y ait des modifications salutaires, non? Il n'y a pas des modifications qui vont amener
des améliorations, des avancées dans les caractères et le plan physique humain? Il faut qu'il parte d'une base, et la base la plus pure, en quelque sorte, ça l'amène à revenir au début, au tout début. D'accord. Tu me dis quand c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, il va s'apprêter à sortir, à venir au monde. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et il vient au monde. Oui. Très bien. Il va remonter toute sa lignée, toute sa ligne de temps. Donc en reprogrammant chaque seconde, chaque instant, à la lumière de ce nouvel état d'être. De cette nouvelle ces nouvelles perceptions de qui il est vraiment, du rappel de qui il est et pourquoi il est là. Il en modifie toutes les perceptions de chaque instant, chaque situation. C'est un chemin beaucoup plus facile et lumineux. Oui. Et tu me dis quand il est arrivé, ici et maintenant. Oui, c'est bon, il y est. Parfait. Alors on va éliminer l'ancienne ligne de temps. On va dire que tout ce qui est attenant, inhérent et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps. Donc avec les traces mémoire et empreintes, duplication, copier-coller, ils rompent tout pacte, tout contrat, tout engagement, tout consentement, vœux, souhaits, permissions, tacite ou non. Serment, allégeance, promesse, accord, donc conscient ou inconscient, et de manière rétroactive. Je compte à trois et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. Un, deux, trois. Tout s'est volatilisé, en fait, comme si ça n'avait jamais existé. C'est ça. Alors maintenant, on va regarder les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qui lui est utile et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Je compte à 3 et tout disparaît complètement, totalement et définitivement. 1, 2, 3. C'est bon, c'est fait. Parfait. Maintenant, il va rompre avec toutes les lois donc, de la matrice. Et archiavélique. Donc les lois du karma, il va rompre avec tous les archétypes et aussi tous les égrégores. Avec Il les est traces mémoire et empreintes hein, et rétroactivement. ouais, il est très très rapide en fait. Rétroactivement et sur tous les plans. Hein. Il se déplace très rapidement quand il doit couper ou faire des modifications, il le fait extrêmement rapidement aussi. D'accord. Donc je dois le suivre en fait pour regarder si ça a été fait sur tous les plans. Ok. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, il va rompre aussi avec toutes les attaches, les liens, les chaînes, etc. Tout ce qui est toxique, limitant. Donc, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, avec traces, mémoire et empreintes. Donc je compte à 3, il le coupe, dissout, élimine tout. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, il va effacer toutes les peurs et les pensées racines et couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui en empêche, entrave, limite sa liberté. Son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, sa guide, note son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Il a tout coupé, même dit que c'est les croyances en fait qui créent ces liens. Absolument. Et là, il est en train de tout défaire. Oui. Maintenant, il va déclarer officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal,
de tous ses canaux de perception et de tous ses corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source et rien ni personne d'autre. Oui, ça, il le fait tout de suite. Maintenant, il exige et ordonne à toutes les entités, à ses contrats, pactes, etc., à ses organisations ou associations auxquelles il renonce, de cesser d'agir et de quitter son champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Là, il est seul et libre. Bon, parfait. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps et regarde si tu vois quelques marquages matriciels, marquages ou traçages. Oui, il y a ces marques de quand il est descendu. Bon. Alors, on va tout éliminer. Avec trace, mémoire et empreinte, je compte à 3. 1, 2, 3. C'est parti. Parfait. Maintenant, il va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement, pénétrer toute sa biologie, prendre place dans son corps physique, jusqu'aux moindres cellules et particules. Ça y est, il trouve que c'est plutôt agréable. Ah, c'est déjà mieux. Oui. C'est mieux que dans l'ancienne ligne de temps. Oui. Très bien. Il va commencer à y prendre du plaisir. Oui. Bon. Alors, il va faire connaissance avec l'élémental de son corps dans ce nouvel état. Et dis-moi comment tu vois l'élémental et comment il se sent. L'élémental, il est plus stable et il trouve un repos à ressentir cette stabilité. Bien. Ok. Alors, on va lui demander de faire tous les ajustements, les rééquilibrages, toutes les restructurations, guérison, nettoyage, etc. Tout ce qui est nécessaire pour un corps en bonne santé et en fonctionnement optimal sur tous les plans. Donc, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale. Et ça doit lui parler. Ah oui. Oui, oui. Là, il y a même une double connexion, en fait. Parce qu'il y a la connexion à cette eau plasma qui elle-même est connectée à l'eau primordiale. Comme ça, il n'aura plus le besoin de faire des allers-retours. Non, là, il reste là. Là, la connexion, elle est là, sur Très place. Bien. Ok. Il se sent comme à la maison. En quelque sorte. Ok. Alors maintenant, on va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. Donc la molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère de son corps à l'atome primordial. Oui. Électron mère de son corps à l'électron primordial. Oui. Proton mère de son corps au proton primordial. Oui. Neutron mère de son corps au neutron primordial. Oui. Neutrinos mère de son corps au neutrinos primordial. Oui. Tachyon mère de son corps au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère de son corps à la particule quantique primordiale. Oui. Tachyon, particule adamantine, mère de son corps, à la particule adamantine primordiale. Oui. Et la particule de lumière, mère de son corps, à la lumière primordiale. Oui, c'est fait. Parfait. Maintenant, il va faire l'activation de son arbre séphirotique. Oui, c'est fait. Ça vient comme ajuster ses énergies à cette dimension-là. Très bien.
Ok. Alors maintenant, je vais citer la liste. En fait, c'est comme si tu passes d'un courant de 210 à 110, ou tu vois, ça fait un ajustement de ce type. Ouais, d'accord. C'est bon. Très bien. Maintenant, je vais citer la liste des systèmes et fonctions, des systèmes principaux de son corps. Donc, il va travailler sur chaque système dans les plus petites parties de chacun et sur l'ensemble. Et ensuite, il va travailler sur l'ensemble des systèmes dans leur synergie et leurs interactions. On est d'accord? Oui. Donc, on commence par le système cérébro-spinal, avec l'équilibre des cerveaux et leur communication, les neurones et les connexions, etc. Le lien avec la colonne vertébrale, chaque vertèbre, la moelle, etc. Toutes les connexions. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, système nerveux. Oui. Le système sanguin avec filtration. Il met une double filtration. Ben oui. Oui. Système lymphatique. Oui, là aussi. Avec double filtration. Oui. OK. Système des méridiens énergétiques, avec tous les points connus et inconnus. Oui. Le système osseux, dans sa structure, dans sa moelle, dans ses articulations, le squelette en général, et la cellule osseuse en particulier. Oui. Le système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui, c'est comme si c'était des branchements en fait à chaque fois. Donc, système respiratoire. Oui. Système endocrinien. Les glandes immunitaires, hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Et toutes les fonctions d'assimilation et de transformation, bien sûr. Il y a des ajustements là aussi. C'est Et... comme des curseurs, tu sais, qui règlent. Avec pour objectif l'adaptation de ce corps humain à son milieu. Très bien. C'est fait. Parfait. Maintenant, système urinaire, donc les émonctoires et évacuations de toutes sortes. Oui. Le système reproducteur et sexuel. Oui. Système de la peau, des tissus spécialisés, des cellules. Oui, c'est bon. Système visuel. Oui. Système auditif. Le système visuel, il a tenté d'être piraté. Ah bon? Et alors? Ça n'a pas marché, mais il y a comme des cercles qui sont restés. Alors, on va tout éliminer avec traces, mémoire et empreintes. 1, 2, 3. C'est bon, c'est libre. Parfait. Alors, système auditif. Ah oui, c'est bon. Système olfactif.
Oui. Système gustatif. Oui. Système perceptif du toucher. Oui. Système ORL global. Il y a une montée d'énergie en fait au niveau de la gorge, de tout le système ORL, de la sphère buccale. Ça pétille en fait. Il fait monter l'énergie dans toute cette zone-là. Très bien. Maintenant, le système dentaire. Oui. Voilà. Et puis le système du cuir chevelu et des cheveux. Comme il a quelques soucis de ce côté-là, qu'il fasse ses ajustements, nettoyage, ravigorer. Il élargit le champ d'énergie pétillant. Très bien. Je me dis quand c'est bon. C'est bon, ça nettoie en fait. Ça Alors. fait comme une purification au niveau énergétique. C'est comme s'il y avait eu comme des sortes de plaques sombres, comme des résidus. Comme si c'était de la poussière agglomérée, des choses comme ça. Et là, D'accord. pff, ça tout fait sauter. Il reste pas de traces mémoire ou empreintes? Non, tout a sauté. Très bien. Ok. Alors maintenant le système complet bioélectrochimique. Oui, là aussi. Il y a eu des pressions pour le déséquilibrer. Ah oui. Il y a encore des mémoires de ces pressions ou des résidus, traces ou autres? Pff, non, il rééquilibre tout sans affect, en fait. Et Nickel. voilà. Très bien. Maintenant, l'équilibre acido-basique. Pareil. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, le système des chakras, les sept chakras principaux avec les glandes associées. Décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation. Ils sont très vifs et très brillants. Et plein d'énergie, en fait. Donc, il est simplement en vérification. Très bien, tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Les chakras secondaires. Oui. Chakras souterrains. Oui. Chakras aériens. Y a eu des tentatives de blocage en passant par ces chakras aériens, mais là non plus, ça a pas pu, rien n'a pu venir se fixer. Très bien. Il reste que pas d'empreintes, de traces ou autres, de mémoire. Je le perçois parce que c'est légèrement plus sombre, mais c'est simplement, c'est des traces en fait des tentatives qui ont été faites. Voilà, mais là il n'y a plus rien. Ouais, on va éliminer ces traces. Hein. Donc je compte à 3, faut il faut qu'il reste rien. Il faut que ce soit propre. De chez Monsieur Propre. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Bon, eh bien, donc les sept corps associés sont faits. Oui. Ok.
Je vais prendre sa liste. Et pendant que nous travaillons, pendant que le sonde élémentaire continue le travail, on va travailler sur sa liste. D'accord? Donc, bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps. Alors, donc il est né il y a plus de 9 mois, il est né avec une mauvaise ligature des cordons ombilical, et donc il a eu des soucis d'hémorragie et autres. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est comme si son j'appelle ça un assemblage. Ça avait été fait un petit peu en urgence, en catastrophe, et ça a donc créé des perturbations au niveau énergétique qui sont venues. C'est venu perturber en fait le bon déroulement de son arrivée sur le plan physique. Ça a perturbé aussi au niveau du personnel médical. Il y a comme des sautes. Enfin, je fais toujours des analogies avec l'électricité, mais c'est comme si dans le champ énergétique des humains, il y avait eu des sautes. D'accord. Et donc les humains, donc, par conséquent, n'ont pas les bons gestes et les bons comportements, c'est ça? C'est ça. Ok, parce qu'ils sont un peu déphasés par son énergie. Oui. C'est ça en fait, en gros. D'accord. Alors, dans son enfance, il y a eu de nombreux accidents. Est-ce que ça, c'est pareil? C'est une question d'inadaptation ou il y a eu des causes ésotériques? En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que cet assemblage n'était pas correctement installé, donc ça crée une fragilité dans le corps physique. Et d'une part, et d'autre part, cet assemblage a été repéré de suite. Tiens, lui, il n'est pas comme les autres. Et de suite, il y a eu des tentatives d'interférer avec lui. D'accord. Qui n'ont pas eu de succès apparemment, à part de le faire tomber. Non, ça n'a pas eu de succès. À chaque fois, il a redressé le. Même s'il y a eu des moments où il a pu être au plus bas, à chaque fois, il a réussi à tout virer, tout enlever et à repartir. Il n'arrive pas à avoir une prise sur lui, quoi. Non. Ils font les tentatives qui ont des résultats ponctuels, mais pas plus, c'est ça? C'est ça. Comme un D'accord. poisson, tu sais que tu veux prendre entre tes mains et Ouais, fou, tu tchou tchou, glisses. une anguille, ouais. Ok. Alors, c'est quoi ces rêves qu'il a, qu'il vole, qu'il est poursuivi, qu'il n'arrive pas à fuir, avec cette histoire d'orage et tout? Qu'est-ce que tu vois? C'est ce qu'il perçoit des tentatives D'être saisi. de saisie, de récupération d'interférence avec lui. Et pourquoi il voit un orage derrière tout ça? Parce que pour pouvoir le saisir, je vais reprendre l'analogie avec le poisson. Quand tu veux saisir un poisson, tu vas essayer de le bloquer dans un espace pour pouvoir le saisir plus facilement. Donc là, il fallait le maintenir dans un espace fréquentiel pour pouvoir mieux le saisir. Et ce qu'il a perçu comme étant un orage, c'est pour l'empêcher de passer à d'autres fréquences. D'accord. Ok. Alors le fait qu'il respire sous l'eau, alors ça c'est ça a à voir avec donc c'est encore un rêve où il se voit respirer dans l'eau. Ça a à voir Oui. avec cette partie dans l'eau. C'est son état, c'est le souvenir, c'est la nostalgie en fait, D'accord. de son état dans cette eau sous forme de plasma. Ouais, eau plasmatique, d'accord. Ok. Et puis c'est tellement plus agréable. Et ce Ça rêve. permet de s'échapper de la condition humaine.
Et ce rêve qu'on va lui couper la tête, c'est quoi ce rêve-là? C'est ce qu'ils poursuivent encore et toujours. Et donc ils lui mettent des projections, qu'est-ce que c'est quoi? C'est l'imagination, c'est une projection, c'est un hologramme? Non, c'est des formes pensées qui lui sont envoyées. D'accord. On va t'attraper, on va te tuer, on va te couper la tête, on va te réduire à néant. Ils veulent lui faire peur, quoi. Oui. D'accord. Mais même ça, ça n'a pas marché. Ouais. Parce que s'il donne prise à ses formes pensées, ça le fait encore descendre plus bas en fréquence et ça diminue sa mobilité. Il est plus saisissable. Oui, c'est ça. Il est plus saisissable. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que... Alors, ça paraît évident là, mais il ne retrouve jamais son véhicule dans un rêve. Il a de la peine à avancer. Ça représente ses corps physiques, son corps. Il a du mal à saisir comment ça marche au niveau du corps humain et des corps subtils humains. Donc il a un peu perdu là-dedans. D'accord. Parce que dans son état précédent, c'était pas comme ça. Oui, mais il n'était pas adapté. Voilà, et puis en plus, dans cet assemblage génétique, il y en a un des quatre qui est pas fait pareil au niveau des corps subtils. Donc au niveau de ce qu'on peut appeler les véhicules, il y a une forme de confusion. Et lequel je suis censé prendre et tiens, j'en ai perdu un, puisqu'il n'y a pas le même nombre de corps subtils. Je veux dire, par rapport à une des quatre possibilités qu'il compose. Et puis lui, sur le plan physique, il y a une différence au niveau du nombre des corps subtils. Très bien. Alors justement, quand il a travaillé dans son ADN tout à l'heure, est-ce qu'il a tenu compte de ces quatre, de ces assemblages, et est-ce qu'il les a réaménagés à sa façon? Oui, il a réaménagé. Il a tout fait, hein? Oui. D'accord. Ok. Donc il a éliminé ce qui ne convenait pas? Oui, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité de rester stable dans le corps physique si on garde d'autres possibilités actives. Quel pourcentage il a gardé finalement de cet assemblage? En fait, il reste quel pourcentage d'humain et du reste après ce remaniement? Là, il a gardé principalement de l'assemblage humain, mais avec quand même des traces de 4-5% des autres types, pour garder quand même des spécificités qu'il ne voulait pas lâcher totalement. D'accord. Un peu comme un enrichissement de l'espèce, c'est ça? C'est ça. Très bien. Ok. Alors autre chose, il a des très très fortes céphalées. Regarde d'où viennent ces céphalées. Dans l'ancienne ligne de temps, évidemment. C'est parce qu'il avait du mal à gérer ses rentrées et sorties dans le corps physique. Ah, d'accord. Attends, comment ? Il faisait ça trop vite, trop brusquement, trop... Ah oui, le corps ne suit pas, c'est ça ? Ouais. Ah oui, je te demande une seconde. Très bien, est-ce que maintenant, est-ce que tu vois que dans le futur, ces céphalées vont disparaître ? Est-ce qu'il aura une meilleure adaptation à ses sorties, s'il en est encore ? Alors là, il a compris comment ça marche et il n'y a plus ce brouillage au niveau des corps subtils. Donc, c'est plus clair et il sait par où il doit passer et comment il doit passer et comment s'y prendre. Parfait. Est-ce qu'il peut visiter éventuellement ses fonctions neuronales, cervicales ou autres pour ajuster tout ça, éventuellement? Les fonctions électromagnétiques du cerveau. Il s'est créé lui-même des états de surtension électromagnétique au niveau de la tête. Mmh. De surtension? Oui. Là, maintenant?
Non, pas là maintenant, au Ah, cours de c'était sa avant. vie, Ah oui. oui, d'accord, ok. Et donc, il a tout régularisé là. Là, oui. Très bien. Est-ce qu'il resterait des mémoires quand même de cette céphalie? Parce qu'on sait Oui. bien que le corps garde des habitudes, même si on enlève des fonctions. Oui, il Il en en reste. reste, oui. Donc, on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte. Un, deux, trois. Ah, c'est mieux, il y a plus cette pression-là. Et il va maintenant que les mémoires sont effacées, est-ce qu'il resterait des habitudes? C'est pas vraiment des habitudes, c'est... Quelque chose qui se reproduit automatiquement. Oui, mais c'est sous forme de souvenirs. Très bien. Alors, il y a encore des souvenirs? Oui, il y en a. Eh bien, on élimine tout partout où il y en a. Avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est bon. Est-ce que tu vois d'autres raisons qui pourraient faire que ça continuerait d'une façon ou d'une autre? S'il va aller trop vite, oui. Bon, il a compris qu'il ne faut pas aller trop vite maintenant. Mais maintenant, il a bien tout observé. Et il a compris qu'il y avait des lois physiques sur ce plan-là. Qu'il faut respecter pour ne pas en subir de désagréments. Très bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, il a été opéré pour les hémorroïdes. Regarde de ce côté-là si tout est en ordre maintenant. S'il peut mettre un coup de booster pour cautériser, cicatriser, travailler sur les veines, etc. Sur tout le système. Oui, c'est pour ça qu'il a mis une double filtration tout à l'heure, parce qu'il y a eu des tentatives d'intervention sur son sang, son système sanguin, et ça a généré un état inflammatoire. D'accord. Est-ce que le fait qu'il ait donné son sang et que donc des parties de son sang étaient dans le corps d'autres personnes, est-ce que ça a joué sur sa biologie? Puisque nous savons que maintenant, quand on a du sang, on est connecté à la personne et la personne en plus nous transmet ses propres caractéristiques ou dysfonctionnements. C'est venu lui rajouter du brouillage et de la confusion dans son identité. Dans quelle mesure? C'est-à-dire que déjà qu'il y avait du un sentiment de confusion par rapport au fonctionnement du corps physique et des corps subtils, là, en plus de ses propres informations à lui, il y a les informations d'autres humains qui sont venus se mélanger. Donc, c'était encore plus compliqué de faire le tri. Ok, donc là c'est coupé avec tout, il a tout fait, hein? On est Oui, d'accord. oui. Coupé, désactivé. Très bien. Oui. Bon, donc le fait qu'il ait des acouphènes, avec des variations de fréquence et de volume, d'où ça vient cet acouphène? D'où ça venait? Ah bah ça c'est quand il change de plan, alors il le fait à toute vitesse. Tu sais, c'est comme quand tu es dans un véhicule ou en avion, puis que tu as les oreilles qui... Supersonique. Oui. C'est ça. Et avec les décompressions et tout. C'est ça. Allez. Ok. Très bien. Bon, là, maintenant, est-ce que ça n'aura plus lieu? Bah, s'il continue à aller trop vite, ça aura lieu encore. Mais là, il a compris maintenant. Ok. Est-ce qu'il peut faire une adaptation éventuellement au système auditif, le tympan, etc., à ces différentiels? Oui, parce que du coup, il a bien sollicité le système auditif. Et il vient apporter une énergie de calme. Bon. C'était devenu trop strident. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, il a des problèmes de tension. Voilà. Et donc, regarde d'où ça vient cette tension alors.
Ben, ça vient de sa propre nature. Il n'est pas comme. Sa nature n'est pas la même que celle Oui, des autres humains. il a une vélocité qu'ils n'ont pas les autres, c'est ça? Donc, oui, et puis, c'est ce mélange, cet assemblage dont il est issu sur le plan humain, ben, ça donne des différences. Il y a des Alors différences. ça veut dire que pour lui, c'est pas un dysfonctionnement, c'est Non. c'est propre à sa nature. Oui, c'est ça. C'est ce qui lui permet. C'est une adaptation en fait au plan terrestre. Faut pas qu'il se compare aux normes humaines normales, enfin Non. aux normes humaines habituelles, quoi, c'est ça. C'est une de ses caractéristiques. Donc lui, sa norme, c'est entre 20 et 22 sur 10 sur 12, c'est ça? C'est ce qui lui convient. Donc comme là, il a fait des modifications, ça va peut-être un peu descendre. D'accord. Ok. En tout cas, il y aura toujours une différence avec le commun des mortels. Oui. Et ça, c'est normal. Il faut pas mal l'interpréter, finalement. Oui, parce qu'il a gardé en plus des caractéristiques autres que celles purement humaines. Très bien. Alors maintenant, au niveau du cuir chevelu, il a des éruptions cutanées. Regarde, qu'est-ce qui se passait sur ce cuir chevelu? Ça me ramène aux attaques. Ah oui. Il a vraiment été sollicité de toutes parts, et avec tentative de faire dysfonctionner tout ce qui pouvait l'être possible sur son corps physique. Et en plus, tout ce qui touche à l'apparence physique et à la peau en particulier, ça vient directement impacter le corps émotionnel. Et quand il y a des attaques, c'est là-dessus qu'elles sont ciblées en premier. Ok. Donc là maintenant, est-ce qu'il reste quelques traces de ces attaques, quelques mémoires, quelques empreintes? Non, il a fait le nécessaire tout à Il n'y a l'heure. plus rien, d'accord. Il peut envoyer de l'énergie pour résorber maintenant physiquement, sur le plan matériel, plus rapidement, donc ces plaques. Il l'a fait tout à l'heure, il a envoyé de l'énergie D'accord, pétillante. tout est fait alors. Ok. Donc au niveau de ses pieds, il a le cinquième doigt de pied donc, qui sort de l'extérieur. Et donc c'est inconfortable pour lui pour marcher. D'où est-ce que ça vient ça? Ben, il a quelques différences avec les êtres humains. Bon, il a de la chance, il n'est pas palmé. Je rigole. C'est une de ses caractéristiques, c'est tout. Voilà. Il y en a qui ont le doigt comme ça, lui c'est les orteils. Bon, on peut y faire quelque chose ou pas? Ça fait partie de ses caractéristiques. Voilà. Et voilà, je sais pas, Bon, on peut pas lui enlever le doigt. est-ce qu'on peut changer la couleur de la peau, est-ce qu'on peut changer, etc. Tu vois, Oui, c'est. non, mais bien sûr. Ok, bon, ben, voilà, il sait que c'est normal, c'est dans ses caractéristiques génétiques, donc on peut rien y faire. Il n'y a plus qu'à l'accepter et à s'habituer, quoi. Au niveau dentition, donc il a jamais eu de prémolaire. Pourquoi est-ce qu'il a? C'est pareil. C'est pareil. Pourquoi il veut tout changer? Il est bien comme ça. Non, mais il se pose la question quand même pour voir s'il est normal. En fait, non, il n'est pas normal. Pas dans le sens que de l'humain habituel, quoi. Mais il est normal par rapport à lui.
Ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi il veut changer? Alors, il se demandait, comme ben, c'est vrai qu'il y a une infection qui est censée, hein, les dents, c'est des fusibles, comme on a pu le voir plus. Voilà. Est-ce que le fait que ces dents sont manquantes, est-ce que ça veut dire qu'il y a des fusibles qui manquent? Non, c'est organisé différemment chez lui. Le corps a fait autrement. Hein. Voilà. Ok. Donc, il a des becs de perroquet. Donc, c'est des vertèbres qui se touchent. Regarde d'où ça vient, ça. Il est croisé avec un perroquet? Non, je crois pas. Alors, d'où vient ce phénomène alors? Alors, la cause est toujours la même, sauf que quelquefois, les différences, ça se passe bien, et quelquefois, ça se passe moins bien. Alors, est-ce qu'il pourrait faire en sorte que maintenant ça se passe bien? Alors, en fait, des quatre... source dont il est assemblé, issu. Ça vient d'une des quatre. D'accord. Et alors, elle a été éliminée ou elle est toujours présente? Non, celle-là, elle l'a éliminée. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan physique? Est-ce qu'il va y avoir une modification? Ça va s'arrêter. Parce que ce que je veux dire, c'est que le corps humain, il est toujours en mutation, En mouvement. en mouvement, etc. Donc il n'y aura plus le gabarit, et donc sans le gabarit, il va se reconstruire C'est sans ça. ses épines. Ouais. Combien de temps tu vois à peu près pour que ça puisse se faire? Ça Alors, ce qui donne. est, ça va arrêter de continuer à se développer, en tout cas. Oui. Parce que là, sur le plan physique, la densité, c'est très lourd. Donc, ce qui est déjà là, mais c'est là. Mais par contre, ça va arrêter de continuer à dégénérer. D'accord, bon, c'est déjà bien. Et ce qui est là, tu crois que ça ne veut pas se développer, puisque le corps est toujours en mouvement, toujours en renouvellement, que chaque partie du corps a des cycles de renouvellement. Sur le cycle osseux, est-ce que tu penses qu'un renouvellement n'est pas possible sur un nouveau gabarit? Bah, le cycle osseux, c'est le plus dense en fait. Ouais, et il prend combien de temps pour faire un cycle complet de renouvellement? Le cycle osseux. Parce que, attends, il y a plusieurs. C'est une question intéressante, je trouve. Il y a plusieurs niveaux. Oui. Et il y a comme un centre de fabrication avec des cycles. Oui. Mais ce qui est fabriqué et déposé dans la matière, c'est sorti de ce centre de fabrication. D'accord. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de l'atteindre dans le subtil. Parce que c'est déjà sorti du circuit de fabrication, modification. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais est-ce qu'il est quand même possible, même si c'est difficile, est-ce que c'est une chose qui reste quand même possible, d'une façon ou d'une autre? Et une chose n'est possible que si on conçoit qu'elle l'est. Alors, sachant que c'est possible, est-ce qu'on peut trouver et actualiser cette possibilité, puisque nous sommes illimités, est-ce que c'est possible? Dans l'absolu, c'est possible, Qu'est-ce qu'il faudrait pour mais ça? il y a canevas, ça dépend du canevas de chaque être humain. Très bien. Alors, si on Il regardait son canevas. y a chez des êtres humains chez qui ça va être plus facile que d'autres. Alors, ça veut dire que si on travaillait sur le canevas, il y aurait moyen de modifier des choses. Oui, parce que le canevas, c'est ce qui
sous-tend la matière. Oui, c'est le tissu informationnel, on va dire. Oui. Donc, est-ce qu'on peut mettre son canevas, donc avec l'arbre séphirotique du système de l'humain, on va dire, non greffé, pour que les choses puissent se mettre en place? Ça veut dire qu'il faut dissoudre le modèle du canevas pour en mettre un autre à la place. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Eh bien, on le fait. On le dissout, on le remplace par le modèle qui est sans greffe. C'est possible? Oui, ça l'est. Eh bien, allez, c'est expérimental. Ça fait remonter à l'étape d'avant, en fait. Ok. Alors, je compte à 3 et toutes les traces, mémoire et empreintes disparaissent avec pour laisser entièrement place au nouveau canevas. 1, 2, 3. Ça y est, il y a le nouveau canevas qui est venu se mettre à la place de l'ancien qui, lui, s'est dissous. Très bien. Alors, pour l'information et la curiosité, maintenant, combien de temps ça prendrait pour que le tissu osseux s'ajuste à ce nouveau canevas? Parce que moi, je considère que c'est possible. Plusieurs mois. Je n'ai pas de durée précise, hein. Mais c'est pas en semaine, c'est plus long. C'est en mois ou en année? En année, ça donnerait jusqu'à 3-4 ans. D'accord. En fonction que c'est variable, bien sûr. Donc, en sachant que c'est variable en fonction de l'attitude mentale, c'est toujours les pensées, les idées et les croyances qui donnent le mouvement. Oui. C'est ça. On est bien d'accord. Hein? Oui. Ok. Donc, si lui, de son côté, il le visualise comme il le voudrait, qu'il y croit, que pour lui, c'est déjà fait. Donc, il accélère le processus. S'il a confiance, qu'il est complètement heureux du résultat qui est en train de se créer. Oui, parce que l'étape encore avant l'établissement de ce canevas, c'est la partie divine, en fait, de l'humain. C'est le gabarit de l'arbre séphirotique. C'est tout le tissu informationnel qui donne la structure. Oui, mais c'est la partie divine qui envoie l'énergie vers ce canevas. C'est l'énergie divine qui donne l'impulse pour que l'information puisse s'organiser, se mettre en place. Ok, alors là, est-ce que c'est le cas pour ce nouveau canevas? Est-ce que l'énergie divine informe l'énergie? Oui, il vient de le faire. Très bien. Bon, il n'y aura plus qu'à voir, on se donne rendez-vous dans quelques années. Très bien. Donc ça donne 3 ou 4 étapes encore avant la manifestation physique. Très bien. Toutes les étapes ont été explorées? Là, oui. Bon. Ok, bon, nous verrons bien. Alors, il a été opéré 3 fois des ménisques. Regarde au niveau de ses ménisques. Est-ce que son élémental peut mettre un petit coup de booster? On va aller un peu plus vite parce que c'est vrai que le côté biologique, ça prend du temps. Oui, il envoie de l'énergie. Ok. Alors, une chose importante pour les météorismes, donc les flatulences, comme on dit, hein, je suppose. Hein. Les manifestations gazeuses. Alors, d'où ça vient, ça? Ça vient toujours de cet assemblage dont il est constitué. D'accord. Dont 2 sur les 4 ne viennent pas du plan physique. Et c'est pas adapté, quoi. C'est... Ok. Bon, dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que ça va être résolu? Ou est-ce qu'il y a moyen de le résoudre?
Il a complètement modifié au début de cette, au niveau de cet assemblage. Oui. Donc là, le corps physique, il réagit plus de la même façon. D'accord. Donc il va y avoir du changement. Oui. Très bien. Enfin, en mieux ou en pire? Ben, en mieux. Ah, non, je rigole. Ok. Bon. Donc, au niveau de, au niveau sentimental, au niveau familial, il s'estime en échec. Donc, est-ce que ça a uniquement trait à ce qu'on a dit par rapport aux adaptations et aux perceptions de ceux qui sont en face, ou il y a d'autres choses? Oui, non, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas d'autre explication. Hein, d'accord. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à chaque service qu'il rend, il a des retours négatifs dans tous les services qu'il rend? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, c'est une expérience, on va dire, décevante pour lui? C'est des leurres, en fait. C'est les attaques qu'il subit. Ah, à travers les personnes, c'est ça? Oui. C'est pour le déstabiliser, le mettre en colère, le frustrer? Oui. Faire réagir. C'est ça. S'il ne peut pas être atteint directement, on va essayer de l'atteindre en passant par d'autres êtres humains. Les autres, et oui. Et plus il va s'investir émotionnellement, plus il sera facilement attaquable. Surtout s'il a des attentes et que ses attentes ne sont pas satisfaites. C'est ça. Donc pour lui, ça le fait travailler sur le lâcher prise, l'acceptation, oui. Dans l'attachement au résultat. Oui, et ça va le rendre invulnérable en fait. Voilà. C'est ce qu'il a à comprendre. Je donne et je n'attends rien. C'est ça. Et là, il sera intouchable. Exact. Comme tous les humains, d'ailleurs. Ok. Donc, ben, on arrive justement aux colères, aux haines, à la rage. Donc. Alors là, ils atteignent leur but. Bon, maintenant qu'il a compris ça. Il donne littéralement à manger aux entités du bas astral qui cherchent à l'atteindre. Et oui. En laissant prise, justement, en se laissant envahir par ce type d'émotion. Oui. Bon, on va regarder dans son corps mental s'il y a des programmations qui favorisent ça. Des programmations d'échec. Ah oui, il y a des automatismes comme des interrupteurs qui sont mis en place et actionnés à volonté. Voilà. Allez, on efface ces interrupteurs et on élimine toutes les programmations. Donc je compte à 3 avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Il les a détruits, écrasés et sortis de sa sphère énergétique. Très bien. Maintenant, il va se mettre une programmation, qu'il est libre, qu'il est souverain, que rien n'a d'importance, c'est une illusion, qu'il n'attend aucun retour de personne, qu'il donne sans attente, qu'il est complètement libre avec ça, et qu'il prend même du plaisir à cette situation. Il adore prendre lâcher prise, il a de la patience, une patience infinie. Ça lui plaît parce que ça lui permet de retourner la situation. Ben oui. Il n'y aura plus à manger pour les autres, c'est embêtant, mais ils iront chercher ailleurs. C'est voilà. Hein? Très bien. Alors, je veux qu'il en ressente maintenant les sentiments et les émotions. De ce lâcher prise, de cette sérénité, de cette paix intérieure, imperturbable et voilà, indéstabilisable. Il en ressent même de la satisfaction. Ben oui. Plus que même du plaisir. C'est bon. Et il sait maintenant qu'à chaque fois qu'il se restera calme et serein, il fait un pied de nez à tous ceux qui cherchent leur pitance. Ah oui, c'est tout à fait ça. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'il en programme toutes ses cellules, qu'il le ressente complètement dans son corps, cette satisfaction, ce plaisir. Tout comme dans son cœur, qu'il en ressente de la joie.
et dans son esprit de l'illumination. Appelez-moi maître. Maître et disciple de moi-même. Là, c'est fait, c'est OK. Très bien. OK. Très bien. Donc, est-ce que tu vois quelques traces de colère et ou rage dans ses corps, dans son corps émotionnel? Non, parce que dès qu'il a compris le fonctionnement... Il a tout inversé. Hein. Ouais. Très bien. OK. Bon, le fait qu'il ait du mal à se concentrer, quand il a lu une page, il ne sait plus ce qu'il a lu. Bon, on sait pourquoi maintenant. Hein. On ne va pas y revenir. Ben oui, il n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Ben oui, il n'était pas présent à son truc, quoi. Pendant que son corps lisait, lui, il foutait le camp. Et après, il se revenait en disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai lu? Voyageur interstellaire. Bon, est-ce qu'il sera plus concentré maintenant à ce qu'il va lire et ce qu'il va... Ah oui, c'est beaucoup plus facile. Ça, le travail qu'il a fait, là, ça le recentre. Meilleure concentration. Mmh. Bon, OK. Dernier point de sa liste, donc son grand-père paternel. Alors, il s'est toujours... Voilà, il l'a senti... toujours senti étranger, il a toujours été étranger pour lui ou lui pour etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce sentiment-là? Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment d'être étranger à ce grand-père? Ou que ce grand-père ne s'intéressait pas à lui? Ben, en fait, il se pose des questions qui, à la limite, ne le concerne pas. C'est-à-dire que ça concerne la lignée sur laquelle il est venu s'incarner, mais comme lui, il est venu s'incarner quand même dans des conditions très spécifiques, donc il cherche des réponses. Tu parles de qui? Du grand-père ou tu parles de... Non, de Pierre. De Pierre, d'accord. Et tout ce qui lui paraît... comme étant une anomalie, il cherche dans sa famille, dans son arbre généalogique, il cherche à raccrocher ça avec lui en se disant que peut-être cet élément-là qui n'est pas lisse, qui n'est pas comme les autres, ça va lui apporter une réponse à son histoire à lui. Mais est-ce que... Oui. Mais en vrai... En vrai, ça ne le concerne pas parce que lui est venu, Pierre, il est venu se poser sur cet arbre généalogique. Oui, il est étranger en fait. Mm. Il est étranger à cet arbre quelque part, c'est ça? Oui, oui. Mais est-ce que réellement le grand-père ne s'intéressait pas à lui ou c'était sa perception, sa propre perception qui lui faisait sentir ça? Il y a un peu des deux en fait, hein. C'est-à-dire que... Le grand-père le sentait étranger, c'est ça? Oui. D'une part, Pierre, lui, il est venu comme se poser sur sa table généalogique, s'en servir comme un support nécessaire à la vie sur ce plan terrestre. Donc, voilà, donc il se pose beaucoup de questions, mais avec une perception modifiée et pas toujours juste des relations... humaine en fait sur cette lignée d'une part et d'autre part le grand-père effectivement il se pose des questions aussi d'accord dans il le sens pas. Ouais il dans le sens pas dès lors, quoi. C'est ça quelque chose comme ça oui il est un peu comme un cheveu dans la soupe c'est oui enfin sans la notion de mauvais ou de méchant ou de choses comme non, ça, non, mais non, une non. sorte de questionnement, c'est... Comme corps étranger, comme un corps oui, étranger. Voilà. D'accord, sans forcément de sentiment de rejet, mais plus d'une espèce d'interrogation ou de... Oui, c'est ça. Ouais. Une différence, quoi. Voilà.
On ne sait pas comment le percevoir, comment penser, comment l'aborder, d'où il vient. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, dans le doute, bon, bah, on se tient à distance. D'accord. Ok, des fois que ça morde. Non, je rigole. Ok. Bon, ben écoute, j'ai fini sa liste. On est allé au bout de la liste. Donc, on va regarder son numéro d'INSEE. On va le désactiver, couper, désactiver. Donc, partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Et désactiver. Très bien. Alors, toutes les parties de lui qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, de l'ADN, des cheveux, des cellules, peu importe, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, toutes les fréquences, sur tous les plans, tout espace-temps, on coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Très bien. Donc, tout ce qui est sang, etc., dans le corps d'un autre, pareil, coupé, désactivé. Hein. Oui. Partout où il se trouve, à l'extérieur de lui. Dans tout ce qui est dans ses corps, qui ne lui appartient pas, qui n'est pas issu de ses propres productions ou de ses propres choix, y compris la nanotechnologie, on coupe, désactive et expulse ce qui peut l'être. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, tout ce qui est photo, image, objet qui lui appartient, qui est à l'extérieur, on coupe et désactive également. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Bon, maintenant on active le diamant du cœur. Oui. À connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille, la vraie grille magnétique. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Très bien. On va faire le processus de rajeunissement. Oui. Alors, activation de la particule divine dans son cœur. Et jaillissement de la fontaine de jouvence énergétique. Ça y est, c'est là. Très bien. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec le rajeunissement et la régénération. C'est activé. Très bien. Alors, information et programmation de la cellule mère de son corps, donc pour générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. C'est fait. Très bien. Maintenant, on va regarder son ADN. Dis-moi comment tu vois d'après un ADN de connecter. Il y en a 8. 8. Il y en avait combien avant la séance? Il y en avait 4. D'accord. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres? Il y en avait 4, mais il y en avait 2 d'activés seulement. Ah oui. Parce que les deux autres, c'est comme s'ils ne pouvaient pas s'accrocher à quelque chose. D'où l'inadaptation de tous ces corps. Ok. Donc il en a 8 maintenant. Est-ce qu'il peut en connecter d'autres ou pas? Non, parce que là, ça s'est connecté au fur et à mesure du travail et ça s'est bien équilibré comme ça. Très bien. Qu'est-ce que ça va amener de plus pour lui alors? Quel changement il va y avoir? Ça le maintient stable dans sa condition d'humain et ça maintient ses connexions dans le subtil stable aussi. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Regarde si tu vois des portails, tunnels, ouvertures ou autres, s'il y a des implants, marqueurs, traceurs, dispositifs de surveillance ou des présences indésirables. C'est sous surveillance en quelque sorte hein, chez lui. Oui. Qu'est-ce que tu vois pour ça?
comme des sortes, alors c'est pas vraiment comme des sortes de caméras, mais plutôt comme des détecteurs de mouvements d'émotions. D'accord. Dès qu'il y a les émotions, hop, ils interviennent, c'est ça? Oui. Ok. Très bien. C'est tout ce qu'il y a? Il y a d'autres choses ou pas? Traceur, marqueur, il y a? Non, il y a simplement ce système-là qui fait comme une sorte de signal d'alarme. Et là, de suite, il y a des arrivées d'entités qui arrivent. Ok. Donc il fait une grosse tornade, il nettoie tout ça maintenant. Allez. Il n'y a plus rien là. Très bien, regarde si son domicile est situé sur sur des désordres géobiologiques, énergétiques. Non, pas spécialement. Très bien. Il installe partout des fleurs de vie, plaques de Tesla, graines de vie. Oui. Donc activé, évidemment. Sur le compteur général, un gros diamant. Avec partout une fleur de vie et une graine de vie qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie et diffuser de l'harmonie, de la structure et de l'abondance, de la joie, de la santé, de la créativité. Oui, c'est bon. Très bien. Sur le plafond, il met un gros boîtier qui va filtrer l'air. Donc, toutes les particules. Et aussi de nanotechnologie. Ça rend légère l'atmosphère de la maison. Très bien. Et maintenant, il va faire l'effet Niagara avec la production de ions négatifs. Oui. Parfait. Il remplit son espace de sa propre énergie, tout son espace. C'est bon. Ok, il met son domicile dans une bulle christique de protection. Oui, c'est fait. Et lui-même dans une bulle de protection qui l'emmène partout où il va. Christique également, qu'il active et désactive à loisir. Et lui seul. C'est bon. Très bien. Eh bien, on va appeler son soi supérieur. Tu vas lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Ça va être beaucoup plus facile pour lui maintenant. C'est comme si c'était choisi une expérience. Compliqué à gérer parce que beaucoup de choses à gérer en même temps. Là, c'est plus simple, c'est plus direct, c'est plus facile. Très bien. Il a quelque chose à lui dire en particulier pendant qu'il l'écoute. C'est un choix qui est correct dans le sens où il est plus facile à appréhender et à gérer par la partie physique humaine. Très bien. Est-ce qu'il est toujours connecté à 100%? Oui. Bien enraciné? Oui. Très bien. Alors nous allons terminer cette séance avant la douche finale. On va donc on va redescendre nos fréquences. Et nous enraciner. Nous ancrer. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu veux être régénéré? Oui. Tu te connectes à la dernière régénération et tu profites du même protocole. Et tu peux sentir pleinement à l'intérieur, sur et autour de toi ces énergies. Te sentant ravigorée, pétillante, frétillante, gaie, pleine d'énergie et expansée. C'est bon. Parfait. Alors, on va faire. Chacun va trouver son portail. On invite donc Pierre à trouver son portail pour la cascade et nous la nôtre.
Oui. Chacun est sous cette eau d'autres fréquences qui est faite de lumière, de son, de couleur, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Et chacun peut ressentir cette eau, toutes ces informations, à l'intérieur, sur et autour de soi. Oui, c'est bon. Très bien, sous les pieds. Donc, fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie. Activée. C'est fait. Dans la cellule mère, donc de son corps, on y met une fleur de vie et une graine de vie activée. C'est fait. Et maintenant, douche christique, or, diamant et bleu. C'est bon. Très bien. Alors, chacun va sortir de cet endroit, retourner à sa place respective, fermer le portail derrière soi. Oui. Et nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête? Parfait. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Ça va? Oui, oui, ça va. Oui, bien revenu, bien dans ton oui, corps. Oui, oui. Ok, à nous Pierre. Ouais, c'est bon? J'ai remis le micro. Oui, très bien, impeccable. Ouais. Eh bien, si j'avais su. Par tu ne serais pas venu. Non, mais jamais j'aurais pensé ou imaginé tout ça, c'est impressionnant. Par contre, tu n'as pas appelé mon âme, c'est... Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, mais c'est pas... C'est vrai que j'ai pas appelé. Oui. Bon, voilà. Son âme... Bon, ben écoute, on le fait. Hein? Allez, tu fermes les yeux, il y en a pour 3 secondes. Okay. On ne va pas le laisser sur une frustration. Hein? Je compte à 3 et tu reprends exactement l'état dans lequel tu étais pendant la séance. À 3. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc appelle son âme et dis-moi comment tu la vois. Elle est à côté de lui et elle est sereine parce que en fait, elle était dispersée. Et là, elle est rassemblée. Elle est unique et c'est beaucoup plus confortable pour elle. Donc là, elle s'est presque comme réfugiée en fait à côté de lui, prête à avancer avec lui parce que ce nouvel état est beaucoup plus confortable en quelque sorte à gérer pour elle. Parce qu'elle était en fait dans une sorte d'état de confusion. Trop d'informations dispersées qui venaient de plusieurs sources différentes. Et là tout ça, ça s'est calmé, canalisé. Et maintenant, il y a une seule source d'information et qu'elle peut gérer correctement. C'est comme si une âme, en fait, elle avait un travail à faire et elle n'était pas en capacité de le faire correctement dans la situation précédente. Alors que maintenant... Si, puisque tout est unifié et correctement placé. Très bien. Alors, un message pour lui ou... C'est une nouvelle clarté, en fait. C'est comme si elle évoluait dans une clarté, alors qu'auparavant, elle évoluait dans un espace un peu... gris, sombre, indéterminé, où elle ne savait pas trop comment se placer. Donc elle le remercie en fait d'avoir
fait ce travail, qui permet aussi d'avancer correctement, mais par rapport à l'évolution de l'âme elle-même et par rapport à l'évolution de la partie divine aussi, ce qui permet de faire remonter les informations correctes, cette fois-ci claires et sans filtre déformant jusqu'au soi supérieur. Très bien. Parfait. Alors j'aimerais en profiter pour te poser une question, parce qu'il y a une question qui m'est souvent posée, et c'est vrai qu'elle est intéressante, c'est quand on est face à la ligne de temps, donc elle est censée ne plus exister, et quand on retourne dans l'ancienne ligne de temps pour aller voir ce qui s'est passé, comment tu peux expliquer ça, puisque nous l'avons effacée? Enfin, moi j'ai la réponse, mais c'est pour le public qui se pose la question, et je pense qu'il est nombreux, puisse en avoir une idée précise de comment ça peut être possible. C'est comme une comme un stock d'informations en fait qui reste là mais déconnecté de tout affect, de toute émotion, qui ne peut pas être relié à quoi que ce soit, et qui va servir en fait en termes de banque de données pour l'univers, et qui peut servir par ailleurs pour la création d'autres univers. Mais la ligne de temps elle-même n'est plus là. C'est toute la différence entre... Attends, je vais faire une analogie. T'as un être humain, il n'est plus là, mais il y a toujours son portrait, mais au-delà du portrait, il y a avec quoi il est composé le portrait, c'est-à-dire le papier, le crayon, la gomme, l'encre, le vernis qui a servi à protéger le portrait. Et bien, ce qui reste en fait, les informations que je suis allée prendre là, c'est dans ces éléments-là. C'est-à-dire que la personne n'est plus, son portrait n'est plus. Il reste simplement les éléments qui ont servi à faire le portrait. Et ces éléments-là peuvent servir pour construire d'autres choses, mais dénués de toute charge émotionnelle et mentale. Est-ce qu'on pourrait dire en simplifiant... Et même mémoriel. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire en simplifiant que ça sort de sa bulle de création et que ça reste... une mémoire disponible au point de vue universel. Alors, ça sort de sa bulle de sa création, ça reste disponible d'un point de vue universel. Informationnel, quoi. Informationnel, mais pas en tant que mémoire. Voilà, seulement informationnel. En tant qu'élément qui serve à... D'accord. Faire quelque chose, créer quelque chose. Ok, donc quand on revient dans l'ancienne ligne de temps pour y prendre l'information, comme nous faisons nous, donc en fait, on retrouve quoi? L'information, c'est ça? Oui. Mais en dehors de la bulle de création, de l'intéressé. C'est ça. On retrouve... C'est plus dans son champ de réalité. Non, on retrouve l'information brute. Voilà. Et détachée du contexte. D'accord. Comment prendre l'information de n'importe qui, de n'importe quelle existence, passé, présent, futur. Oui, c'est ça. Ou de n'importe quel plan. Oui. Ok. Très bien, il fallait que ce soit dit parce que j'ai souvent eu la question et moi-même j'avais besoin de préciser ça. Très bien, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Alors je vais compter à 3. Tu vas retrouver exactement le même état à la fin du retour. Complètement dans ton corps, totalement alerte et totalement ancré. À 3. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais. Oui. Ok, voilà. Est-ce que ça te va? Moi, pour moi? Oui. Oui, ah oui, oui. Ouais, très bien. Je suis... Heureusement que je suis assis, trop parce que je suis tombé, mais c'est très bien. Je n'aurai pas assez de mots pour vous remercier. Et en aucun cas, je regrette mon action. Je suis très, très content d'avoir fait ça. Et je ne sais pas, merci mille fois, 100 fois.
en plus parler à Emmanuel. Je le voyais toujours, mais ne me parlait pas. Maintenant, elle peut me parler. Non, je suis très, très content, très satisfait. Tu as eu quelques sensations ressenties pendant la séance ou pas du tout? Si j'avais la fréquence cardiaque qui était très marquée, ça me résonnait dans les oreilles, mais c'est un peu moins maintenant, mais tout à l'heure, c'était bah, c'était fort. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait, c'est normal. Ouais, et je ne sais toujours pas si je suis à 200 ou 110 volts, ou 220 ou 110 volts, je ne sais pas encore. En tout cas, tu es dans ce qui est juste et bon pour toi, c'est ça qui compte. Voilà, ouais. C'est... Et comme tu disais que tu veux pas te comparer à un humain ordinaire, et ben écoute, faut assumer ton état et en prendre plaisir. Hein. Ben oui, je vais me remettre à la natation, c'est bon. Ton état, ta différence, et puis voilà. Hein. Je vais essayer de respirer sous l'eau. Oui, je vais reprendre les cours de piscine, c'est bon. Bon. Bon, en tout cas, je t'invite à revoir ta vidéo, prendre de l'information, la revivre, ressentir, etc. Voilà, et puis c'est toi qui continues le travail. Tu as toutes les cartes en main pour. Hein. D'accord. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai des nouvelles dans quelques temps. Hein, choses se passent pour toi. Bon, pour l'épine dorsale, on verra plus tard. Hein, ça, oui, dans 3 ans à peu près, je vous rappelle. Dans 3 ans, je ne sais pas. Voilà, bon, en tout cas, merci à toi. Et donc, tu m'autorises à publier la vidéo? Ah oui, à partager, pas non flouter rien. Super. Non, flouter. Il faut partager ça, il faut le savoir. Tout ça. Ouais, mais je suis de ton avis. Et merci à Emmanuel, évidemment. Hein. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. C'est la dernière fois que je voulais parler, c'est pour ça. Merci, Emmanuel. Profites-en. Non, après, je vais la voir, mais elle ne me parlera pas. Merci. Bon. Très bien. Okay, bonne journée et à bientôt. Merci à toi. Merci à tous les deux. Oui. Allez. Au revoir. Au revoir.